Sur le premier hall, quand on rentre, on va tout droit dans cette exposition magnifique et on se retrouve dans un hall rempli de professionnels. En tout, il y aura 110 exposants sur cette exposition, 110 exposants professionnels, j'entends, donc tous des professionnels qui vont vendre du matériel, des arbres, des outils. Vous pouvez retrouver tout un tas de choses, tout ce qu'il faut pour faire du bonsaï de qualité, vous pouvez le trouver dans cette exposition. Comment vas-tu ? Bien, 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 je te remercie. On est en Belgique, tout va bien. Ouais, super stand. Ouais, on est heureux d'être là. Qu'est-ce que tu nous présentes ? Eh bien, des nouveaux pots et je présente des arbres. D'accord. Vous êtes installé depuis combien de temps là ? Depuis hier ? On est arrivé jeudi soir, on est installé depuis hier matin. Écoute, je te souhaite une belle, un beau week-end. Merci. De belles ventes et puis. Mais c'est toujours un beau week-end ici. Ah ouais, on va se faire plaisir. À très bientôt, Sylvie. Ciao. À bientôt. Au revoir. Salut Pascal. Salut. Comment vas-tu ? Eh ben, magnifiquement bien, moi. Bon, tu t'es installé quand ? On était prêt vendredi en début d'après-midi. T'as amené beaucoup de matériel cette année ? Eh ben, tout est là. Des belles créations, comme on a l'habitude de voir sur Facebook. Des belles créations, c'est à vous de le dire. Moi, je ne fais que mon métier. Ouais. Mais oui, j'ai un petit peu de matériel. J'ai pas beaucoup en quantité parce que comme je travaille beaucoup sur commande, je viens surtout livrer. Ouais. Donc en fait, si on a besoin d'une tablette précise, il vaut mieux te contacter directement. Il faut commander. Il faut commander, c'est plus simple. Il faut commander, 6 mois de délai. Autrement, moi je ne fais des pièces pour le stand que sur des dimensions un peu standard. Ouais. Et sur des modèles plutôt courants. Donc si on veut quelque chose d'un peu particulier, il vaut mieux commander, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Pascal, je vais te laisser travailler, je vois qu'il y a du monde qui se bouscule. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Et à la prochaine. Allez, ciao. Et salut. Salut Julien, comment vas-tu ? Ça va bien toi ? Écoute, on se fait plaisir, le plaisir des yeux, hein, défaut de se faire un petit peu mal au portefeuille parce qu'il y a des choses quand même. Il y a des arbres, il y a de très beaux arbres mais des prix de fou. Ouais, des prix de fou. Ouais. Tu es arrivé quand ? Je suis arrivé ce matin moi. Ok. Tu fais partie de quel club ? Je suis parti du club L'Arbre dans la main à Villeneuve-d'Ascq. Ah, ok. Ça fait combien de temps que tu fais du bonsaï ? Je fais du bonsaï depuis 2012 à peu près. C'est quoi ton programme de la journée là ? Tu vas faire le tour de l'expo ? Là je vais faire un petit tour et puis on
va voir s'il y a quelque chose qui m'intéresse à acheter. Ouais, tu te diriges vers quoi, t'as une idée? Du Yamadori. Du Yamadori principalement? Ouais. Quoi, plutôt un genévrier, plutôt un pain, une Sabine? Ouais. T'as vu le stand là-bas en face, les Espagnols là, ils sont énormes. Ouais. Ah, j'ai bien vu. Je vais le voir tous les ans. Mais amuse-toi bien, Julien. Bah toi aussi. On se croise bientôt. Ouais. Allez, ciao. Il y a un stand que je voulais vous montrer qui est assez particulier. C'est un Hollandais qui le tient. Chaque année, il a du matériel de folie. On a, par exemple, au fond, les coques Hello. Et ils ont des loupes magnifiques, on peut voir ça ici. C'est incroyable le matériel qu'ils ont. Voilà, vous avez des coques de différentes tailles. Des poteries assez brutes, par exemple, ici aussi. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Et puis, ils sont spécialisés également sur de l'outillage. Et on peut acheter tout ce qui va sur les Dremel ou autre. Là, c'est exposé. Du matériel de qualité, professionnel, semi-professionnel ou amateur. See you later. Ok, au revoir. Thank ciao, you. Ciao. Ciao. Le stand de Laos Garden. Magnifique stand également. Là, vous pouvez retrouver des pins de culture, du Yamadori, des oliviers, par exemple, sauvages. Là, vous avez une très, très belle pièce. Ici, un érable. Vous avez des pièces qui peuvent directement aller en exposition. Beaucoup de monde sur le stand également. Et bonjour. Bonjour, c'est Jésus. Comment vas-tu? Ça va, je sais pas si mon prénom, c'est facile à se rappeler. Je tenais à te féliciter encore une fois encore pour ta chaîne YouTube qui est vraiment pour moi la meilleure francophone et j'espère pour longtemps et ouais. Je pense pour longtemps encore. Eh bien écoute, je te remercie Jésus, c'est sympa de et franchement, dire ça. Hein, franchement. Oui. Bonjour. Voilà. Très bien. Oui. Comment vas-tu? Ça va. Ils m'ont refait président, donc du coup. Je suis obligé. Chef, hein. C'est lui le chef en fait. C'est lui le chef, voilà. Moi, ouais. Ouais, Jésus, tu fais partie du club depuis combien de temps là? Ça fait bien 6-7 ans, hein, parce que j'ai fait. C'est un jeune. Ouais, je suis un jeune. C'est bien, ça fait plaisir qu'ils disent que je suis. Et Lino, ça fait longtemps que tu fais bonsaï. 96, 97. Ouais. Toi, tu fais des reportages sur ouais, voilà. Canal et tout ça. Voilà, et maintenant vous avez passé sur la chaîne. Ah, voilà, un autre membre du club. Oui, c'est l'émotion. Toi, t'es le troisième du groupe, c'est ça? C'est ça, ouais. Bon, ok. Bon, écoutez, amusez-vous bien, les gars. Merci. Bah, toi aussi. Allez, ciao. À très bientôt. Ciao, ciao. À très bientôt. Salut, Greg. Comment vas-tu? Ça va. La journée démarre. La journée démarre doucement. Il y a du monde déjà. Il y a du monde déjà. Impressionnant. Ça se bouscule. Ouais. On a Tu es arrivé quand? Hier matin, vendredi matin, on s'est installé. Tu as fait des créations spécifiques pour cette année? Ouais, un petit peu. Surtout au niveau des matières et des émaux. Il y a des choses comme ça, ce genre de matière. Ouais. Des recherches de différents émaux. Ton stand est magnifique. Merci. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Et puis, on se retrouve très bientôt. Salut, Jang. Bienvenue en Belgique. Bienvenue en Belgique. Alors, comment ça se passe? Ça a été, il y a du monde ce matin. Le temps est agréable. Ouais. Voilà. Bon, mais déjà, c'est pas mal. Il fait pas trop froid. On est au chaud, hein, on va dire. Ouais. Ça chauffe bien ici dans la salle. Ça fait plaisir de voir toute la communauté française hein, ici. Content de vous voir ici. En tout cas, le Mont du Bonsaï est très petit et on se voit quasiment tout le temps. Ouais, on se voit tout le temps sur les expositions. Hein. On voit toujours les mêmes personnes, mais là, ce coup-ci, il y a 110 exposants, c'est quand même énorme. Il y a beaucoup, ouais, c'est un grand marché. Et surtout, le public, c'est énorme ici. Ouais, c'est énorme. Bon, Jang, j'espère que ça va bien marcher pour toi. On se revoit bientôt, de toute façon. Hein, dans le week-end, on va se revoir plusieurs fois. Bonjour, Michel. Bonjour Fabrice. On est sur le stand de Esprit Bonsaï. Tu es arrivé quand ici sur l'exposition? On n'était pas là au début, mais il me semble que ça fait plus de 10 ans qu'on vient. 10 ans que vous êtes ouais, là, Esprit, pense, Esprit ouais. Bonsaï. Au niveau de l'exposition, oui. Ouais. Ouais. Ici, tu as beaucoup de références, de livres. On essaye, oui. Donc, un grand stand. Tu trouves comment l'exposition cette année? Tu es allé voir? Oui, j'ai déjà allé voir l'exposition, j'ai pris toutes les photos des arbres et des pots hier. Le niveau est super, enfin, c'est vraiment des très très belles pièces. Ouais. Des beaux arbres, bien présentés, il y a de l'espace. Et
puis cette année, il y a aussi toute une rangée de pots qui ont été choisis et qui représentent tout le savoir-faire des potiers européens et même japonais, asiatiques. C'est magnifique. Hein. C'est toute l'exposition dans son ensemble est très belle. Ouais. Ça fait combien d'années que Esprit Bonsaï existe ? Alors, on a créé Esprit Bonsaï en 2002. En 2003, ouais. En mai 2003, ouais. Donc ça va faire 16 ans. 16 ans déjà. On sortira notre centième numéro, ouais. Au moment même où on a sorti le premier numéro en mai prochain. Tu veux qu'il y ait énormément d'abonnés cette année ? Ah bah oui. Bien entendu ? Bah oui, bien sûr. Bon, tous les passionnés, bien sûr, on fait appel à tout le monde pour dire qu'il faut s'abonner à Esprit Bonsaï. C'est une des revues françaises qui est vraiment très bien conçue, très bien... La seule française. Et on traduit aussi le magazine depuis plus de 3 ans maintenant. D'accord. Donc il y a aussi la version anglaise qui est disponible en numérique. D'accord. Ok, bah écoute, je te souhaite de passer un très très bon week-end. Merci. On va se recroiser aussi. Certainement. Hein. Salut Alex. Salut Fabrice. Comment vas-tu ? Ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Qu'est-ce que tu as amené de beau ? Des arbres d'importation japonaise. Ouais. Voilà. Après, maintenant, on a de plus en plus de poteries. On a de plus en plus d'arbres de plusieurs dimensions, qu'ils soient shoin, kifu ou chuin. De la tablette aussi. Ben, tout doucement, on s'agrandit. J'ai vu qu'il y avait quelques livres, des jolies livres, poteries aussi. Des beaux pots, des livres de la Kokufu, des expos. Est-ce que tu as eu le temps de voir l'exposition ? Pas encore. Enfin, vite fait, vendredi, vite fait, mais comme on a installé notre stand, on a fait un petit tour, c'était pas la priorité. Faudrait que j'aille. Moi, je vais toujours voir l'expo tranquille le dimanche matin avant que. Ben, comme je suis pro, je peux rentrer un peu avant. Ouais, donc, j'y vais quand c'est tranquille quoi. On a nos petites habitudes. Voilà, ouais, dimanche matin, pareil, peinard. En fait, ouais. Ouais, je fais mon petit tour quoi. Salut Samy, comment vas-tu ? Salut, ça va bien, merci. Bon, il paraît que t'as vendu déjà toutes tes poteries sur ton stand là ? Non, pas tous les pots, mais les pots gravés, oui. C'est... Bon, Samy, on te voit souvent sur Facebook, on voit ton travail. Donc ça me fait plaisir de te rencontrer. Moi aussi. C'est quoi ton projet cette année en 2019? Tu vas au Japon, tu fais quoi? C'est ça. En fait, mes pots seront vendus à la Taikanten. Ouais. J'aurai un stand avec Daijuan. D'accord. Et on risque de se recroiser alors, si j'ai bien compris. Je pense, oui. Ben, si tu viens là-bas, oui, c'est sûr. Bon, ça me fait plaisir de te voir, Samy, parce que j'admire ton travail qui est très fin, surtout sur des poteries de qualité, toujours. C'est la première fois qu'on se rencontre, en oui, fait. Oui. Hein. Je ne suis pas beaucoup sur les événements. C'est vrai que, comme je ne produis pas beaucoup de poteries, ouais. Je ne suis pas souvent sur les expos. Ouais. Et du coup, c'est souvent, en fait, les gens voient sur Facebook, moi en expo. Tu es partisan de produire peu, mais produire bien. Tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Il y a aussi le fait que ce soit pas mon boulot. C'est vraiment qu'une passion. Et du coup, c'est difficile de beaucoup produire. De beaucoup produire et bien. Ok, Samy, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. À très bientôt. Ciao. À très bientôt. Salut Francis, comment vas-tu ? Ça va très bien, et toi ? On se retrouve. Ça fait plusieurs fois qu'on se voit dans les expos. Les expos, exact. Et puis là, t'es venu faire un petit tour ? Un petit tour simplement ce week-end, enfin cette année, parce que d'habitude j'achète pas mal de choses, mais là non, on va rester tranquille. Ouais. T'es juste venu en visiteur ? En visiteur, tout à fait. D'accord, t'as vu des belles choses ? Il y a de belles choses, j'ai pas encore vu l'expo, mais il y a plein de gens qui me parlent de l'expo qui est apparemment encore plus belle que d'habitude. Ouais. Donc je pense qu'on va se faire plaisir demain à visiter l'expo. Ouais, mais au niveau commerçant, je suis encore étonné parce qu'il y a encore plus de commerçants que d'habitude. Oui. C'est vrai. Toujours autant de qualité quoi. Donc, ah, ouais. Puis je sais que tu as fait pas mal de vidéos justement avec Jean. Oui, tout à fait. Qui je sais pas, je te ferais que je te représente d'autres personnes qui ont justement qui font partie du même club et qui connaissent bien Jean.
Ouais. Donc il y a pas mal de choses. Ouais, c'était une des personnes qui était intéressante au club parce qu'il avait toujours des variétés particulières que les gens n'utilisent pas. Oui. Et voilà, moi j'aimais bien ça en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, je suis vraiment, assez d'accord. C'est quelqu'un de très gentil. La chaîne, je sais qu'elle passe bien, même auprès des gens dans les clubs et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos. Eh bien, ça c'est tant mieux. Ça c'est tant mieux. T'es réinstallé entre Paris et Rouen là depuis pas longtemps. Avec petite maison. Donc, disons que dans 2 ans, je fasse vraiment des petites portes ouvertes. Ouais. Pour faire voir un peu le jardin quand il sera placé. Ouais. J'aurais certainement maintenant un peu plus de choses à vendre et puis il faut que je développe un peu plus tout ce qui est plantes puisque je sais que les plantes que je fais, les gens adorent. Donc je vais développer également tout ça, en d'accord. plus des bonsaïs. Et le bonsaï, on sera sur le show-in aussi, hein, je ne fais pas du gros. Oui, je sais que c'est raffiné ce que tu fais, ce que tu proposes comme travail. C'est, de voilà, toute façon, donc, c'est, on va sur dire, des petites choses. Je te dis à bientôt Francis, à merci bientôt, d'avoir répondu à mes questions. Toi. Je t'en prie. Ciao, ciao, ciao. Bonjour René. Bonjour. Ça fait combien de temps que tu fais des poteries ? 20 ans. Ça fait plus de 20 ans même, je dirais. Hein. Parce que ça fait longtemps que je te croise sur les circuits. C'est ton travail à plein temps, la poterie ? Non, je suis en pension depuis 17 ans. J'ai travaillé 40 ans à la série à Mittal, ArcelorMittal. D'accord. Et puis j'ai commencé à faire des pots il y a une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années environ, oui. D'accord. Et j'ai gagné le Crespi Cup et j'étais troisième au championnat du monde à Porto Rico. Voilà. D'accord. Tes poteries sont réputées dans le monde entier ? Bien sûr, parce que j'en ai assez bien qui partent au Japon. Oui, oui, oui. Je sais que mon ami Gabi Becker, il vient de t'acheter une poterie, là, il n'y a pas longtemps. Oui, c'est juste. C'est juste, hein. Ouais. Tu vois, j'ai des renseignements. Ah, bien sûr. Il n'y a pas que les oiseaux. Il n'y a pas que les oiseaux dans la vie. Alors, on est bien d'accord. Merci Marlène. Merci bien. Merci René. Avec plaisir. À bientôt. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut JP. Salut. Ça va ? Eh bien là, du coup, je vais travailler sur l'arbre d'Alex là, qui va mettre en vente sur son stand. C'est un genévrier de Formose ? Je crois que c'est un Tohoku. Ah, Alex, c'est un Tohoku. Alex, il pourra te donner un peu plus d'infos sur ce genévrier, mais ouais, je crois que c'est Tohoku. Donc du coup, en fait, ce qui est chiant, c'est le feuillage qui est un peu mix, quoi. Il y a beaucoup de juvéniles, mais en fait, on peut pas vraiment s'en débarrasser. Ce sera toujours un peu mélangé. JP, t'es professionnel depuis combien de temps ? Moi, ça fait 5 ans que je suis revenu des États-Unis. Dans un premier temps, j'ai commencé à bricoler un peu dans mon coin. Et après, là, ça faisait 2 ans que j'étais à l'Arbre de Vie, à la boutique de bonsaï là sur Paris. Et là, du coup, maintenant, j'ai suffisamment de clients pour pouvoir juste m'occuper de... De collection privée. De collection, ouais, de travailler des arbres seulement. Bon, on aura l'occasion de te revoir, je pense, sur Nejikan Bonsai. Si tout se passe bien, ouais, avec plaisir. Ça, c'est un saucisson italien, hein, pas français, hein, sur le prou, hein. Ah, c'est du bon, bon, c'est du bon. Très bon, très bon. Tu me fais goûter ? Pas goûter, bien sûr, avec plaisir. Ça fait plaisir de te voir. Voilà, ragazzi. Voilà. Grazie mille. C'est le filet. Un morceau de pain. Avec un morceau de pain. Allez, bien. Ça marche. Merci beaucoup. Oui, de rien. Merci. À bientôt. J'aime bien la France. Bisous à tout le monde. Ciao Luigi. Ciao. Salut Olivier. Salut. Comment vas-tu ? Bah, très bien. T'es en direct ? Ouais, je suis en direct. Non, je suis pas en direct. Je suis en différé, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses de l'expo cette année ? Qualité, quantité, du choix pour tous les prix. Ouais, tous aussi. Les niveaux. Ouais. Je veux dire, c'est voilà, une centaine de professionnels, donc je veux dire, si on ne trouve pas quelque chose ici... Là, j'ai discuté avec des gens qui ont été au Japon, qui m'ont dit, même des expos au Japon, la Taikenten, c'est même, ils ont trouvé ici beaucoup plus de professionnels, beaucoup plus de... Et les Japonais, hier, à l'inauguration, ont été surpris de l'engouement et la quantité de personnes et le travail qu'on fait en Europe. Qu'est-ce que tu proposes sur le stand ? Ben voilà, Pain Sylvestre. Pain Sylvestre et Yamadori. Yamadori. Et puis de l'arbre qui est rempoté, voilà, qui n'a plus la moitié d'origine, l'arbre rempoté. D'accord. Et prêt à être travaillé. Il y a certains là, si vous voulez travailler demain, vous pouvez le prendre et le travailler. D'accord. Tu vends aussi quelques poteries de François, il me semble bien, non ? Exactement. Poteries de François Gault. Ouais. On les reconnaît. Oh oui, on les reconnaît. Ouais, ouais. Magnifique. Et voilà. Diversifie, on travaille ensemble, voilà. Bon, ben c'est super. Écoute, merci pour cette petite interview. Avec plaisir. Bonne continuation et
À bientôt, les gars. À bientôt, ciao. Le stand de Danny Hughes. Merde. Hello. Alors le stand de Danny Hughes, il est particulièrement beau. Je sais pas si on voit bien, donc avec des bambous, une belle pancarte en bois gravée, des arbres somptueux sur le stand. C'est super joli, hyper bien présenté, on dirait une deuxième exposition. Alors vous avez dans le salon énormément de choix de poterie, d'arbres comme vous pouvez le voir. C'est impressionnant le choix qu'on peut avoir, c'est très diversifié cette année. Voilà, des poteries de très belle qualité pour tous les goûts, pour toutes les bourses également. On peut voir une poterie assez exceptionnelle. Regardez cette finition avec des dessins en relief, des bambous. Magnifique. Je vous disais qu'on avait aussi pas mal de choix au niveau des arbres. Vous pouvez voir un superbe stand là encore. Alors Zika Bonsai Studio. Très beau stand. Et vous voyez, aujourd'hui les stands, eh ben, ils sont tous très bien présentés avec des éclairages pour mettre en valeur les arbres. Les présentations sur plusieurs étages. Le stand de Crespi. Alors là, pareil, il y a de très belles pièces. On va se rapprocher du Nazalé là, qui est très sympa. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un très bel érable ici. Hop. Voilà. Alors, comme je vous dis, hein, il y en a pour toutes les bourses, c'est-à-dire que là, c'est un arbre. Bon, très abouti, hein. On peut déjà mettre cet arbre en exposition, je veux dire là, ça c'est un arbre qui fait plus de 5000 euros, hein. Donc voilà, il faut aussi qu'il y en ait pour toutes les bourses, comme je vous dis, donc vous avez des arbres très très aboutis, puis d'autres qui le sont moins. Là, vous avez, pareil, un arbre qui fait 5200 euros. Le pseudo-synodia, c'est un arbre qui pousse quand même très lentement, et donc là, regardez ce nez Barry, il est superbe. Ça va Guillaume? Hey, you're talking to me? Hey, t'es un bagarreur ou quoi? T'es devenu un bagarreur? Bonjour David, bonjour Alan, comment allez-vous? Bah, très bien. Vous êtes de quel club? Alors moi je suis Bonsai Club Amiénois, je suis président du Bonsai Club Amiénois. Ouais. Qui a un an maintenant. Tu fais du bonsai depuis combien de temps David? Ça va faire 6 ans. 6 ans que tu fais du bonsai? Ça fait 6 ans que j'ai repris le bonsai. Ouais. J'avais fait du bonsai en étant gosse, et puis avec le métier que j'avais de cuisinier, bah, pas beaucoup de temps. Ok. Et puis là, bah, j'ai repris il y a 6 ans, et je suis mordu. Et voilà. Tu regardes un peu de temps en temps la chaîne, donc? Tous les vendredis. Tous les vendredis? Et même le mardi à l'heure d'aujourd'hui, je saute dessus, dès qu'il y a une vidéo, je suis dessus. D'ailleurs, tu te vois bien, je suis le premier à marquer quelque chose. Ouais, c'est souvent toi le premier qui marque des commentaires sur les vidéos. Et puis on essaye de partager un maximum, parce que voilà, tout ce que tu fais, ça amène beaucoup de choses à tout le monde. Bah voilà. Écoute, c'est gentil David, merci beaucoup. Alan, toi tu fais du bonsaï depuis combien de temps? Moi, j'entame la quatrième année. La quatrième année? Ah, vous n'êtes pas dans le même club, en fait? Non, ah, d'accord, je croyais que vous étiez dans le même club. Non, justement, on s'est retrouvés aujourd'hui. Par hasard? Oui, voilà, pour l'exposition. C'est connu sur Info Bonsai. D'accord. Eh oui, Info Bonsai, ça rapproche aussi hein, le groupe Info Bonsai sur Facebook. Et puis? Et puis, bah, je me suis mis dans un club, bon, après les conseils que tu as donnés pour dire d'évoluer un petit peu et tout. Bon, écoute, c'est un plaisir de vous rencontrer, les gars. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end en exposition. Merci, à toi aussi. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ça marche. Bonjour Mario. Bonjour. Mario Pavone, que je rencontre pour la première fois. Donc toi, tu es d'Italie. Tu es d'où, de quelle ville d'Italie? C'est pas loin de Varese. Milan. De Milan, d'accord. Okay, pas loin. Tu es un ancien élève de Salvatore Lipolacci. Ouais, Salvatore Lipolacci. Ok. Et maintenant, tu es à la retraite, c'est ça? Ou non, bientôt à la retraite, pas encore? Bientôt.
Bientôt à la retraite. Bientôt à la retraite. Et tu fais quand même du bonsaï presque semi-professionnel. Pas encore professionnel. Semi-professionnel. J'ai vu que tu étais allé au l'année Japon. Prochaine. T'es allé au Japon, non? Et moi, je suis allé au Japon cette année à étudier à Kobayashi. Ah oui. À Kobayashi. À combien de temps tu es resté? Un mois. Ok, d'accord. Je m'excuse pour mon français, mais... Non, mais... Alors, pour la petite anecdote, Mario et moi, on se connaît depuis très longtemps. On a travaillé donc à Milan ensemble. On a fait Fermo en 2007. On a ligaturé des arbres. Et c'est mon grand ami Mario. Je suis très content de le voir là aujourd'hui. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi de le revoir. Merci beaucoup, Mario, d'avoir répondu à mes petites questions. Merci à vous. À très bientôt sur Nijikan Bonsai. Ciao. Ciao. On arrive sur le stand de Bruno Vigny. Comment vas-tu, Bruno? Très bien, Fabrice, et toi? Oui, super. Ça baigne, un super week-end. Content d'être là. Ah oui, on a fait l'effort de venir et pas pour rien. Oui, c'est beau, hein. C'est la Belgique, hein. Donc il y a beaucoup de sous à se faire ici. Sur quoi? Il y a beaucoup de Flamands, il y a beaucoup de Hollandais, beaucoup d'Allemands, donc plein de sous, plein de sous. Donc je suis content, je vends plein de pots. Tu as vu l'exposition? Pas encore. Pas encore? Je suis commerçant, je travaille. Faut que je gagne des sous si tu veux. Non. On aura peut-être le plaisir de la voir ensemble demain matin. Demain matin, ouais. Ouais, je vais faire ça demain matin. Ouais, moi aussi, au calme, hein, c'est ça? Ouais, quand il n'y a personne. Mais sauf que ce matin, ils nous ont pas ouvert de bonne heure. C'est vrai. C'est pour ça qu'on n'a pas pu aller, voir. Donc non, demain matin, au calme, promener dans l'exposition. Voilà. Bon, écoute, ça m'a fait très plaisir de te voir, Bruno. Eh ben, de rien. Plaisir de t'avoir vu aussi. Ciao, ciao. Salut Arnaud. Salut Fabrice. Tu vas bien? Oui, très bien. Et toi? Ça se passe bien le week-end? C'est formidable. Ça commence fort. C'est un début d'année en fanfare. Ouais. Voilà. Bon, tu nous présentes des super pièces cette année, des belles créations. Oui, ouais, des bassins, un peu plus de bassins, des choses pour le jardin. D'accord, tu te diversifies un petit peu, hein, tu as changé un petit peu de création. Je travaille beaucoup dans les jardins. Ouais. Donc voilà, je voulais amener mon savoir-faire. Pour les bonsaïistes. Ok, ça me fait plaisir d'avoir discuté un petit peu avec toi, Arnaud. Moi aussi, Fabrice. Bon week-end, ciao. À toi aussi. Bonjour Sabine. Bonjour Fabrice. Comment vas-tu? Mais je vais bien, merci. Bien installé. Le week-end commence bien? Commence bien, ouais, c'est ouais. Bien. Tu as beaucoup de belles pièces que merci. Tu nous présentes. J'ai des choses, moi j'ai beaucoup de choses aussi pour les plantes, ouais. Pour les fleurs, je voulais dire, pour les fleurs. Oui. Et puis, donc ça, c'est toute la partie un petit peu plus ikebana ou utilitaire. Et puis sinon, bien sûr, j'ai un plus grand choix au niveau plantes, pour les plantes et pour les bonsaïs. D'accord, comme d'habitude. On peut te commander des pots sur mesure, on peut acheter des pots ici sur le stand. Oui, c'est bien de les acheter sur place. Bleu. Ah oui, des émaux très particuliers. Ils peuvent être plus verts, mais pour le moment, c'est le début. Et puis sinon, toujours les petits côtés anciens, voilà, des patines un peu anciennes avec des émaux très mats. D'accord. Toujours en grès, hein, tout est en grès. Toujours en grès, cuit à plus de 1200 degrés. Sinon, ceux-là aussi que j'aime bien, particulièrement. Sur un grès noir, d'accord. Avec un émail, ouais. Juste parfois juste des petites gouttes qui rappellent les couleurs des aiguilles des pins. D'accord. Merci Fabrice. On navigue parmi les stands. On va aller voir un stand qui est très particulier. Ils vendent des pierres incroyables et c'est vraiment magnifique en fait. On peut voir le choix qu'ils proposent. Voilà, donc c'est des pierres vraiment faites exprès pour positionner des bonsaïs hein, dessus ou faire de très belles présentations. Hein. Donc, ce sont des créations très particulières. Voilà, par exemple ici vous avez ce que l'on peut créer avec ce type de pierre. On positionne donc des genévriers. C'est vraiment très particulier. Hello. Ici encore une autre création. Alors c'est le type de création moi qui est pas donné hein, bien sûr, mais il faut voir tout le travail qui est effectué en amont pour réaliser ce type de pierre. C'est vraiment très très beau quoi. Hey, Manu. Ouais. Ça va ou quoi? Ouais, ça va, ouais, salut. T'es arrivé quand?
Hier soir, j'étais à l'entrée ce matin, là, très tôt. Ouais. Donc beaucoup de monde, beaucoup de choses à voir, beaucoup d'amis aussi à revoir. T'as pas encore vu l'exposition ? Non, non, j'ai pas encore eu le temps là. Un peu dans le speed. Un peu dans le speed, dans le speed comme on est tous là dans l'expo. Tout le monde et à préparer les stands. Et là, je passe vite fait dire bonjour à tout le monde et après, je vais prendre le temps de faire le tour. Tu reviendras prendre le thé sur le stand de Bonsai Show-In ? Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, ouais, ok, avec ça plaisir. Marche. Allez, à tout à l'heure, Manuel. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice. Ça va ? Ça va bien. T'es arrivé ce matin avec tes collègues ? Avec les collègues, ouais. Les quatre du club. Les quatre du club. D'accord. Vous avez déjà fait un tour de l'expo ? Non, pas. Non, ça c'est en dernier. En dernier ? Ouais, l'expo ouais. D'abord les emplettes. Alors vous êtes tous belges là ? Oui, oui. Ouais. Sauf lui, il est adopté. Donc... Ah. C'est vrai que c'est plus précis qu'à la Bordeaux. Ouais, bientôt Jérôme, on sera ensemble là pour le BCSA là en mois de mars. Ouais. T'es prêt ? Ouais. Ouais. On peut dire ça. Ouais. On peut dire ça. Prêt à me faire engueuler. Hein. T'as acheté du matos ? Ouais, du fil. Du fil de cuivre ? Du fil de cuivre. Ouais. Ouais. Les arbres, je les ai donc. Ouais. Des pots de merde. Et les copains, ils ont acheté quoi ? Ils ont acheté des arbres ? Ils ont acheté des poteries ? Ils ont acheté quoi ? Poterie. Poterie. Voilà, et puis on perd Jérôme qui est en train de téléphoner. Voilà. Ah, ouais. Ah, j'ai Olivier en ligne en fait. Ah ouais, d'accord. Ça va ? Tu diras à Olivier Vergès que c'est pas le moment de téléphoner. Oui, en fait, c'est tête de cochon, dis-lui que c'est une tête de cochon. Tête de cochon, c'est pas le moment de téléphoner, je suis en pleine interview avec Fabrice. Ouais, je laisse tourner quand même parce que c'est énorme. Il a dit que t'étais plus fort à faire des bonsaïs que de la vidéo. On n'a pas vu le temps passer, hein. C'est un truc de fou. Ouais. Il y en a partout, des exposants, il y a 110 exposants. Là, je sors des démos. Là. Tu regardes ça comme un film. On n'en finit pas de passer dans les allées. Je viens de faire le tour de l'expo. Accrochez-vous. Ah ouais. Ah, le niveau. On n'a pas fait encore le tour de l'exposition, Alexis et moi. Demain, on se réserve pour demain matin, parce qu'il y aura moins de monde dans l'expo. On a fait plutôt tout ce qui est stand, toutes les... On a fait vraiment les petites choses, on est allé voir du monde, hein. Vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai déjà pas mal discuté avec beaucoup de professionnels. De monde, hein. Et puis on a rencontré du monde. Quoi, hein, c'est l'occasion hein, dans les salons de rencontrer du monde, puis de discuter de vive voix et tout, de rencontrer aussi le public de Nejikan Bonsai. Et donc là je viens de me rendre compte qu'on est vu, quoi. On est vu, on est encouragé, donc bon, en même temps ça nous encourage à continuer ouais. sur la même manière de faire. Sur la même simplicité. Voilà, les gens ont insisté sur la simplicité d'explication. Ils comprennent quoi, quand on explique les choses. Ouais. Donc il faut rester simple, il faut continuer sur la même voie. Alexis, il n'est pas trop en état, il a pris des traumatismes l'un après l'autre. Non, pour l'instant ça va, mais si tu me dis que tu es traumatisé par quelque chose qu'on va voir demain, je ne sais pas si je vais y aller. Le niveau, il a augmenté. Mais est-ce que ça donne une claque et ça motive pour aller encore plus loin, ou ça donne une claque
en se disant c'est pas pour moi, j'arriverai pas à... Ah non, non, mais ça, tout le monde a la possibilité de faire des arbres de qualité. Alors acheter un bonsaï petit, pas trop cher, tout fait si vous voulez, mais avoir un arbre dans sa collection. Un arbre qui vous fait plaisir de, quand vous allez dans votre jardin le matin, quand vous allez travailler, vous passez devant votre bonsaï et vous dites ah, c'est à moi, c'est que du bonheur. Quand vous aurez franchi ce pas-là, vous aurez franchi un grand pas. Parce que là, on a encore une exposition d'un très très haut niveau. Ça a encore augmenté le niveau. Aujourd'hui, les Japonais regardent ce que font les Européens. Il y a des choses novatrices qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Europe. Il y a beaucoup de gens qui commencent à percer dans le milieu du bonsaï. Ils font de la qualité. Et sont exemplaires. Ils sont exemplaires à tel point que, comme ils se sont fait, ils sont formés au Japon, ils reviennent avec un bagage conséquent et ils peuvent enseigner des choses très concrètes, de la qualité. Alors, il faut se former, il faut surtout avancer. Parce que nous, on se forme, on avance. Mais ceux qui sont en haut, ils n'arrêtent pas, ils sont pas stationnaires, ils continuent d'avancer. Ils continuent de travailler. Et donc on est toujours derrière, on essaie de rattraper. Il faut travailler. Alors, je vois, tu as vu les Italiens qu'on a rencontrés ici, les arbres italiens qui sont là. Je précise encore, j'ai pas vu l'exposition, je la verrai demain, mais on entend déjà parler de beaucoup de choses, on entend parler de la qualité des poteries, de la qualité des tablettes, des présentations. La qualité des poteries, c'est souvent des qualités de la qualité japonaise. Et les arbres présentés sont principalement sont des grands arbres aussi. On ne voit pas trop de show-in. Oui. Dans des expositions comme ça, de cette grande... on va dire c'est quand même une grande exposition. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et les show-in n'arrivent pas à prendre trop leur place dans cette exposition. Là, il y a un pain qui est extraordinaire. Oui. Je pensais avoir des gros pains, ils sont petits, mais pas à côté. Ah ouais, comme quoi. Le tronc, il doit faire 40 cm. On peut quand même encore arriver à t'impressionner, quoi. Ouais. Mais en bonsaï, heureusement. Hein, heureusement, d'ailleurs. Donc tu as éprouvé des émotions, quoi. Ah bah oui. J'ai vu des ifs, moi qui suis un amoureux des ifs, j'ai vu des ifs là. Le niveau est très très haut, très très haut. C'est impressionnant. Je pense que demain, on va tous... là, j'ai fait que passer pour voir un premier coup d'œil. J'ai dit, quand j'ai vu un arbre, il y a des feuillus, des érables avec une ramification d'une finesse. C'est de la dentelle. Même si tu aimes les pins, quand tu vois ça, tu te dis... Oh, le énorme. Gars, c'est énorme. C'est énorme le travail qu'il y a là derrière avec des nébaris. Ils ont travaillé, les mecs. C'est pas un hasard s'ils arrivent là avec une qualité d'arbre comme ça. Ils ont travaillé. Et c'est du travail sur plusieurs dizaines d'années. Ouais. Et de nos jours, je vois des professionnels dans Alexandre qui a des arbres qui sont très, très beaux, qui sont très abordables. Je veux dire, au lieu d'acheter 10 voutures, tu vas chez Alexandre, tu as un arbre qui te regarde. C'est ce qu'on disait. Hein, sur le salon, on se dit, mais pourquoi pas un budget par an, alors à tous les niveaux, mais on va dire si vous avez 300-400 euros, et juste un arbre, quoi, pour travailler de belle qualité. Quand vous avez passé l'étape de la culture que vous savez cultiver, que vous avez choisi un petit peu ce que vous voulez faire, du show-in ou de l'arbre un peu plus grand, etc. Voilà, un seul arbre par an, un investissement. Tout à fait. Et ensuite se faire plaisir, bien sûr, mais cette fois-ci passer sur la gamme supérieure, on va dire, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette première partie de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, partager, etc. Tout ça comme d'habitude sur la chaîne. Demain, on va se régaler encore. On aura la possibilité il y a Eric qui nous a rejoint là pour clôturer cette première vidéo. Thierry, viens là aussi. Viens, il y a Thierry qui est en train de faire des photos. Donc on est venu à 5, on est arrivé vendredi. On a regardé mais on n'a rien vu. Vous avez l'impression de ne rien voir tellement que vous voyez de choses, quoi. Rencontre beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est presque la fin de la journée, on est samedi. Et demain, on remet ça, on va visiter l'exposition, on continuera à discuter avec quelques intervenants. Hein, bien sûr, Alexis, on fera le point à la fin pour voir si tu t'en es sorti. Voir si je continue ou j'arrête la bonsaï. Voilà, et j'espère pour vous que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. À très bientôt. Ciao. Au revoir.